Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sophie Livry. Bonjour, bonjour Gonel. Enchanté de vous recevoir, même si c'est à distance, en tout cas de bien vous recevoir, l'image est bien réglée, et de pouvoir discuter ensemble de votre travail, bien évidemment, mais en partant de ce livre que je montre brièvement, mais qu'on verra à l'écran, qui s'appelle « Cinq mains coupées », qui est paru au Seuil en octobre 2020, de l'année dernière, donc en fait assez récemment, sur la fin de la rentrée littéraire de septembre. Et puis, on pourra évoquer un moment un livre que je n'ai pas en main, car je ne l'ai lu qu'en numérique, et qui sort la semaine prochaine, le 1er mars, je crois, qui s'appelle Curiosity, qui sera votre huitième livre chez votre éditeur habituel, parce que Le Seuil, c'est une forme d'exception. C'est le premier livre que vous faites chez eux, et vous retournez avec Curiosity chez Brigitte Bouchard, éditrice chez Notabilia, Noir sur Blanc. Donc j'ai montré Quand le diable sortit de la salle de bain, mais il y a eu aussi Rouvrir le roman, Journal d'un recommencement, et donc 8 livres la semaine prochaine, 7 livres avec ce 5 mains coupées, qui, on va le voir, on va l'entendre, à une forme très spécifique et documentaire, est constitué d'un matériau documentaire que vous avez traité d'une façon très spécifique, et on va l'entendre, alors que, ou par le fait que vous êtes romancière, revendiquée comme romancière, romancière et chercheuse dans le roman. Alors, chercheuse, pas au sens universitaire, mais le roman, c'est un genre qui vous peuple, vous amuse, dans lequel vous expérimentez depuis des années. Hein. Je remontre ce « Rouvrir le roman », qui est un essai paru il y a 4 ans, dont on dira un mot, parce que vous revendiquez le roman comme genre, et comme genre où chercher des formes toujours différentes. Ce qui donne un chemin de littérature fait de livres de factures très différentes, dans des motifs très différents, des thèmes très différents, des tonalités différentes et des ambiances aussi. Quoi de plus différent que le portrait sociologique de la condition pavillonnaire sur 30 ans des 30 glorieuses, voire plus, d'une femme de la classe moyenne, avec celui qui le suivit quand le diable sortit de la salle de bain, et ses réflexions sur le roman à l'intérieur du roman, ses narrateurs qui s'amusent, des jeux avec la typographie du comique. Vous avez à cœur d'expérimenter les différents endroits du roman et de la fiction, donc. Pour autant, vous avez une formation de journaliste initialement, donc vous n'êtes pas étrangère à la réflexion sur l'actualité, à écrire à propos de quelque chose, mais quand paraît 5 mains coupées l'année dernière, c'est une rupture aussi bien avec les livres que je viens d'évoquer. Alors, je l'ai dit aussi, la rupture est peut-être votre marque de fabrique, de faire des livres qui ne soient jamais les mêmes, mais aussi une rupture avec la façon qu'on a pu avoir de regarder l'actualité concernant les gilets jaunes et ce qui leur est arrivé le long de 6 mois de manifestation en 2019, c'est 2018-2019, c'est ça ? Fin 2018, début 2019. Le livre a donc un parti pris documentaire et pour le situer, je vais en lire quelques lignes, celle de Lynn Kipit. Ça démarre ainsi. Je m'appelle Gabriel, j'ai 22 ans, je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans, je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je m'appelle Frédéric, j'ai 36 ans, je m'appelle Haihan, j'ai 53 ans. C'était le samedi 24 novembre, c'était le 1er décembre, c'était le 8 décembre, c'était à Bordeaux, c'était à Tours, c'était place Paye-Berland, c'était place Jean Jaurès. Le livre est-il écrit en quatrième de couverture et aussi en postface? Dans ce livre, pas une phrase n'est de Sophie Livry. Alors qu'elle en est l'auteur, Sophie Livry. Il y a donc un parti pris de traitement de la parole dans son plus grand respect et du matériau documentaire qui demande à être traité d'une certaine façon, sans doute aussi parce que c'est celui-là, la description
précise et de l'intérieur de ce qui est arrivé à ces cinq personnes qui donc, hein, le titre est explicite et littéral, mais quand même le redire, parce que peut-être que tout vient de cet effarement-là aussi, ont perdu leurs mains. Au sens propre, ils ne l'ont pas égaré, si à un moment ils ont pu penser l'avoir égaré, oui, tellement le choc était grand, mais ce sont des gens qui ont été mutilés, pour employer les termes tels qu'ils sont. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, même si vous nous le racontez un peu en postface, c'est d'où ça vient, c'est-à-dire quand ça commence. Ça commence en forme d'enquête en 2019, parce que vous avez sans doute manifesté, vous le dites aussi, vous avez croisé ces faits qu'on dit divers. Cette actualité-là vous frappe en tant qu'individu, mais vous frappe aussi en tant qu'auteur. Vous dites qu'il y a nécessité d'écrire cela, d'écrire avec cela. Comment tout cela prend-il forme? D'où ça démarre, la nécessité, et puis la forme que ça prend dans votre écriture? Ça démarre, oui, comme citoyenne, en voyant dans les médias ces nouvelles à propos de ces mutilations qui s'accumulaient. Moi, en effet, je manifestais de temps en temps le samedi à Lyon, mais comme je suis en plein centre-ville, c'était pas là où les choses se passaient vraiment pour le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'était d'abord dans les ronds-points, après, un peu plus tard, dans les manifs du samedi à Paris. Mais à Lyon, j'ai participé. Moi, j'ai pas vu directement, heureusement, des scènes comme ça, des scènes de guerre que m'ont décrit après les mutilés. Mais j'entendais le soir, en effet, chaque fois, les actualités. Et j'étais effarée, en effet, que ce soit possible, en fait, que des Français perdent un membre de leur corps juste parce qu'ils étaient allés manifester. Et je sentais bien qu'après ce fait divers, allait continuer, en fait, pour eux, toute une vie à reconstruire, en fait. Et quand on perd une main ou un œil ou un pied, en fait, c'est pas juste un fait divers, en fait, c'est pas juste une ligne dans les médias. Et donc, j'ai eu besoin de... Peut-être que je ne l'aurais pas fait si j'avais vu cet article dans les journaux, au fond. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passait après. Voilà. Et non seulement parce que je sentais bien que ça avait des conséquences énormes, mais surtout, je trouvais qu'en fait, ça allait trop vite. On a vécu avec les mouvements des Gilets jaunes, en fait, quelque chose qu'on a vécu depuis de manière encore plus accentuée avec le confinement, une accélération du temps historique, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, nos représentations mentales vont moins vite que l'actualité, que les faits qui s'accumulent tous les samedis. Par exemple, qu'il y ait des mains arrachées, en fait, ça veut dire quelque chose historiquement, mais on n'arrive pas à le concevoir. Voilà. Donc, une des possibilités qu'ont les écrivains, les intellectuels ou les artistes, c'est quand même de s'arrêter longuement sur quelque chose qui, dans la vie ordinaire, va très vite. Et donc, quand je dis la vie ordinaire, c'est-à-dire la vie médiatique va encore plus vite que la vie ordinaire. Mais même la vie ordinaire des gens, on ne peut pas se réunir en famille ou en colocation pour réfléchir pendant une semaine sur le fait que pourquoi, dans notre pays, on arrache des mains en manifestant. Ce n'est pas normal, ça veut dire qu'en fait, on est passé à autre chose, il faut le considérer. Et je dis ça parce qu'en fait, en général, on ne tire pas les conséquences de ce qu'on sait. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on sait tant qu'on n'en a pas tiré les conséquences. On le voit beaucoup avec le réchauffement climatique. Par exemple, si on tirait les conséquences de tout ce qu'on sait, je pense qu'on serait tous pétris d'angoisse en permanence. Et donc, du coup, en fait, c'est ce problème-là qu'on a. Et là, moi, je trouvais que c'est revenu cinq fois et puis il y avait beaucoup de crever. Bon, au fur et à mesure, quand même, les médias en ont plus parlé, grâce au travail de David Dufresne, notamment. Mais je trouvais qu'on n'avait pas assez considéré la question. Voilà. Et du coup, j'ai eu aussi l'idée de la forme tout de suite. Ça, c'est une chose qui est assez rare aussi. Du coup, j'avais envie de le spotter. Donc, j'ai eu l'idée d'aller chercher ces cinq personnes, de les faire parler. Et j'ai eu l'intuition que les cinq récits qu'ils allaient me faire allaient se ressembler à peu près et allaient compléter un tableau. Voilà. Et puis surtout, j'avais envie de les faire parler eux. Je pensais bien que leur parole n'allait pas être écoutée. Et du coup, peut-être qu'en effet, si les médias avaient énormément donné la parole aux mutilés, ce qui n'a pas été le cas, pour que les Français se rendent compte de ce qui s'était passé, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Et je me serais bien passé de le faire, hein, pour vous dire, pour être honnête avec vous. Je n'avais pas une envie folle de le faire, même si intellectuellement, c'est intéressant quand on a une idée comme ça de monter un cœur à partir de récits qui soient purement... Enfin, strictement, donc, un livre qui n'est pas écrit par moi, même si c'est moi qui suis sur la couverture, c'est intéressant d'arriver à le réaliser. Mais je pense que, quelque part, j'aurais préféré
pouvoir y couper, quoi, sans jeu de mots. Parce que c'était pas une partie de plaisir, voilà. Mais en même temps, personne ne le faisait. Et puis moi, je sentais bien que j'avais les moyens de le faire aussi, parce que j'ai quand même cette formation de journaliste, ce qui fait que c'est quand même possible pour moi de retrouver les gens, de faire une grille d'entretien, d'aller les chercher. Je me rends pas compte, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont. Il y a des écrivains qui sont moins à l'aise dans ce genre de petit début d'enquête, parce que le début du livre a été un travail journalistique. Donc je l'ai fait pour qu'ils aient la parole et pour que, du coup, je puisse aussi donner ce livre dans le débat public. C'est pour ça que je n'ai pas fait chez mon éditeur aussi, parce que je crois que ce n'était vraiment pas du tout sur la même ligne pour moi. C'est plutôt une pièce au dossier. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce mouvement des Gilets jaunes? Je crois qu'on ne sait pas du tout en fait, encore ce qui s'est passé. On a eu un mouvement social de 6 mois qui est vraiment venu du peuple, même avec, au début, regardé même avec méfiance, même par les gens de l'élite militante, on va dire, de centre-ville. Et ça a duré énormément de temps, alors qu'on a déjà 2 mois en 95 de grève, on est déjà épaté. Là, les manifestations qui ont duré pendant 6 mois, personne ne s'y attendait. C'est vrai que c'est assez ridicule de penser que dès l'acte 4, France Inter disait le mouvement s'essouffle. Oui, ça va être assez drôle parce que bah non, ça s'est essoufflé en avril, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On peut jamais trop savoir, en fait. Du coup, je trouve important de pouvoir en fait documenter ça. Voilà. Et du coup, bon, après voilà, je l'ai pas fait purement comme un document, mais c'était pour moi, c'est important en fait. C'est un bouquin qui quand même s'adresse à la dimension civique de, enfin, comment dire, dans l'édition a aussi ce rôle d'information civique. Voilà, un peu on le voit avec le mouvement MeToo, comme il n'y a pas de justice en fait. Les livres servent à libérer la parole et les livres servent à rendre un peu justice aussi, en tout cas à dire ce qui est. On le voit avec le consentement, la famille agrandée. L'édition peut aussi servir à ça, voilà. Et à informer la société de ce qu'il se passe. Voilà. Et donc là, c'est ça aussi. C'est quand même un acte pour que ce soit écouté, entendu à plus grande échelle. Voilà. Même si moi, évidemment, j'ai quand même, à l'intérieur de ça, eu un intérêt un minimum esthétique à un moment donné. Mais je ne voulais pas que ce soit, on en reparlera, l'intellectuel de centre-ville qui parle à la place de ces 5 hommes qui ont perdu la main, justement, alors qu'ils venaient manifester la plupart pour la première fois et qu'ils n'avaient rien demandé. Et qu'on dit souvent, d'ailleurs, voilà, ils ont perdu la main, ils ont été mutilés. On fait toujours face à la forme passive. Déjà, il faudrait rajouter par la police, par les armes de la police, par des armes de guerre, de la police française qui ont été commandées par le ministre de l'Intérieur. Donc moi, je cite voilà, Macron, Castaner, Delpuech et Didier Lallement. Et on peut dire aussi, la police française mutile les manifestants, potentiellement. Voilà. D'ailleurs, on l'a tous compris, puisque le but était de faire peur. Voilà. Donc c'est aussi, quand même, replacer ça dans une espèce de causalité, même si, évidemment, les mutilés... ont des procès qui sont en cours, et tout ça sera évidemment difficilement rétabli par la justice, parce que ça n'a pas été pour Vital Michelon, et il faudra aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais tout ça n'est pas un fait divers, justement. Ça n'arrive pas par accident totalement, il y a quand même une continuité politique et répressive qui s'inscrit dans l'histoire de France. Bon, moi, je ne connais, je suis pas spécialiste en violence policière, même si j'en ai appris pas mal maintenant, mais tout ça s'inscrit dans des choses que des historiens aussi plus tard pourront peut-être évaluer mieux que nous. Voilà. Mais en tout cas, il fallait bien, à un moment donné, poser une pièce. Quoi. Voilà. Mais vous prenez position, c'est vrai, mais vous prenez position dans la postface, comme je le disais, et de la même manière, Castaner, il est cité dans cette postface, où vous intervenez en tant que citoyenne, un peu de cette façon, et Emmanuel Macron est cité dans l'exergue, avec cette fameuse tournure un peu emberlifique côté. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu, il ne l'a pas été tenu d'une manière, si vous voulez, où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Il y a ce fameux travail des mots, effectivement, on se rappelle de la phrase de Macron, il n'y a pas de violence policière. C'est-à-dire que ce que me semble dire ce livre, c'est la dénégation de cette phrase-là, certes. Mais il le fait dans le corps de texte, les 14 chapitres du corps du texte, hein, hors cet exergue et hors cette postface, sont concentrés sur la parole des individus en question. C'est-à-dire qu'à aucun endroit, à ce moment-là, vous n'apparaissez en tant que commentatrice, analyste, vous ne donnez votre avis. Évidemment, l'œuvre que ça constitue formellement dit quelque chose aussi, le fait d'installer les choses dans un certain ordre, on va pouvoir y revenir. Mais tout de même, il y a là à la fois la position morale
de l'autrice, hein, qui, à un moment, c'était perceptible dans vos discours, se met quand même un peu en retrait, respecte la parole qui lui est donnée, et n'y amène pas non plus des commentaires qui ne seraient pas ceux des victimes. Et du coup, c'est à la fois, voilà, pour ça, cette question sur la forme, ça constitue une forme qui pourrait presque être scénique, on l'a entendu tout à l'heure, musicale, et en même temps, c'est aussi une position morale d'auteur, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Moi, je ne voulais pas ramener ma fraise, quoi. Ça, j'ai bon, moi, je manque pas de moyens d'expression, je suis romancière, comme vous dites, ou ben, je fais de la littérature en général. Et je pensais que j'ai fait le bouquin parce que je considère qu'il y avait un déficit d'écoute de ces mutilés. Il y a eu au début de novembre 2018, au début, beaucoup de témoignages sur la vie difficile des smicards par rapport au prix de l'essence et après tout le reste. Mais après, les mutilations, tout ça, on a beaucoup moins entendu parler. Et puis surtout, les gens ne voulaient pas en entendre parler. Parce que ça, c'est très dérangeant, c'est sale, c'est pas sympathique. Et puis, je pense que ça heurte totalement notre conception qu'on est en République, que l'état de droit est respecté, qu'il y a une justice, que si on nous arrive quelque chose de grave, c'est mérité. Enfin, tout ça, et alors que là, c'est pas du tout le cas. Du coup, que cette parole-là, elle n'avait pas été mise en avant. Donc, moi, je voulais la mettre en avant, donc c'était pas pour moi. Parler par-dessus, en plus, j'ai rien à dire. Et puis, je voulais pas, en effet, rajouter une couche, parce que même sur les Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'intellectuels qui ont voulu absolument dire ce qu'ils pensaient. Mais ça, c'est la maladie propre aux intellectuels qui veulent toujours s'exprimer. On l'a vu pendant le confinement. Les journaux ont reçu des tonnes de tribunes, tout le monde avait son avis à dire. Bon, très bien. Mais là, je trouve que sur le gilet jaune, ça pouvait flirter l'obscénité, même s'il y a des choses intéressantes dans ce travail intellectuel, parce que les masques sont un peu tombés, quoi. Les gens qui se disaient vaguement de gauche, on a compris qui était pour et qui était contre le peuple, quoi. Et notamment dans le milieu de la culture, qui reste très anti-gilet jaune, c'est toujours intéressant, parce qu'après, ils nous font des tonnes de choses sur la culture pour le peuple. Mais en fait, quand le peuple commence à sortir sur les ronds-points, là, les langues se délient et c'est intéressant. C'est toujours intéressant le moment, en façon, où les masques tombent. Mais du coup, voilà, il y avait une position morale, évidemment, qui est... c'est eux qui ont vécu quelque chose, c'est eux qui ont quelque chose à dire et il faut qu'on les écoute. Du coup, moi, je vais même aller chercher leurs paroles parce qu'en fait, ils ne parlaient pas beaucoup. Il y avait un, Antoine Boudinet, je peux dire son nom parce qu'il assume complètement, il a fondé avec d'autres de Notre-Dame-des-Landes parce qu'en fait, Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, il y a eu déjà ces grenades du F4 qui ont fait déjà des mutilations très graves. Donc, c'est pareil, il y a une continuité. De même que la LBD a crevé des yeux d'abord en banlieue énormément avant de crever des yeux aux gilets jaunes et puis aux écologistes. Mais à part ça, ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup, c'est des ouvriers, c'est des gens simples. Et du coup, je suis allée chercher la parole pour l'écouter et pas pour me l'approprier ou me valoriser avec. Voilà. Et ensuite, parce que formellement, en fait, c'était eux qui pouvaient faire un bon bouquin. Dans le sens, c'est leur phrase, vous ne pouvez pas l'inventer. Et du coup, il fallait que je ramène ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous avec eux et quand j'ai réussi à les convaincre et à prendre rendez-vous, j'ai enregistré leurs propos. J'ai retranscrit moi-même le propos, même si je ne retranscris pas de manière scientifique. J'enlève les « e », les hésitations, pour faire un récit à peu près qui coule. Mais je respecte ce qu'ils disent. Hein. Les gens, ils parlent normalement. Il n'y a pas de parler populaire avec des trucs. Les gens parlent normalement. On est en France, c'est des gens de 35 ans, en moyenne, qui ont fait des études minimum bac pro. Il ne faut pas penser qu'ils ne parlent pas comme nous. Hein. Les gilets jaunes, ils sont comme nous. Et le président de la République, quand il cherche chez moi pour dire oui, on a tué personne, il bégaye aussi, il dit pas comme il faut. Voilà. Donc c'était pour ça que ça m'amusait de mettre cette phrase sur la violence irréparable, qui par ailleurs, quand elle est sortie après l'été, m'a décidé aussi de faire ce livre. Je trouve ça tellement obscène. Et du coup, après, je leur ai renvoyé le texte de leur entretien, le 5 entretiens. Je leur ai renvoyé le texte qui faisait une dizaine de pages, oui, avec tout le récit déroulé dans l'ordre chronologique à peu près. Ils ont amendé quelque chose, des fois beaucoup, des fois moins, mais en général pas grand-chose, sur les choses un peu qu'ils voulaient enlever, ou des pudeurs, ou surtout, comme tout journaliste, j'avais fait des erreurs factuelles qui étaient embêtantes et que je voulais qu'ils corrigent. Et après, à partir de ces 5 matériaux de base, vérifiés, contrôlés, dans des règles déontologiques parfaites, j'ai pu monter et couper, du coup, j'ai coupé pratiquement la moitié de chaque entretien, parce qu'il y avait beaucoup de redites, pour faire à la fin un seul texte, comme vous dites, le corps du texte, qui fait une espèce de portrait cubiste de cette journée, de cet accident et de ces gilets jaunes. Mais oui, c'est une position morale, évidemment, d'apprendre un peu à se taire quand il se passe des choses graves dans un autre milieu social que le vôtre, d'aller les écouter plutôt que penser qu'on
on peut en parler par-dessus, quoi, en permanence. Ça, c'est vrai que ça m'est assez insupportable. Et puis, en plus, c'est vraiment important dans un pays que la parole soit distribuée, quoi. Mais ça n'empêche pas que je ne me fais pas d'illusion, que c'est quand même chaque fois, grâce à moi ou grâce au fait que j'étais romancière, installée, que j'ai pu le faire, que le travail de montage que je fais, même s'il n'est pas esthétisant, est quand même une forme qui rend présentable tout ça, que les trucs les plus atroces, j'ai peut-être pas forcément insisté dessus plus que ça, c'est déjà assez insoutenable à lire, et que forcément, en mettant en forme, on arrive à quelque chose de plus présentable et même de relativement scénique que par exemple l'interview de Gabriel ou de sa mère que vous pouvez lire par ailleurs dans Ballast en ligne. Si vous avez l'interview pure de Gabriel, qui est le plus jeune et qui s'est fait le plus massacrer, c'est juste insoutenable en fait. Voilà. Et c'est pas du tout esthétique à ce moment-là, et c'est pas du tout lisible même, j'allais dire. Parce que là, la réalité crue est insupportable. Donc il fallait quand même trouver une forme aussi qui a un intérêt pour moi formellement, et qui est quand même qui fasse quand même vivre au lecteur quelque chose de présenté. Voilà. Parce que je pense que moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de fiction possible sur le Gilet jaune pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez compris ce qui s'est passé. Ou des fictions très très métaphoriques, mais en tant que tel, pour comprendre les choses aussi, il faut quand même arriver à avoir un point de vue dessus, même si c'est un point de vue purement dans quelle boîte je vous le présente, quoi. Parce que sinon, en effet, c'est que là, j'aurais fait juste du travail journalistique, qui en effet aurait pu être fait, d'ailleurs, aurait dû être fait beaucoup plus, même si les journalistes ont fait pas si mal déjà au début du mouvement en tout cas. Alors, oui, il y a ce temps-là, effectivement, le temps de l'information, où l'information a du mal à sortir. Vous avez parlé de David Dufresne qui a fait sortir des images. Alors, ce qui m'intéressait quand j'y repensais, c'est que lui-même, il a utilisé Twitter et il a fait de l'agitprop un peu. Il y avait un hashtag, Allo Place Beauvau, etc. Il a déjà dû donner une forme à l'affaire pour la faire retentir. Et je repense à Nathalie Quintane que vous citez à un moment du livre, qui a écrit Un œil en moins quelques années avant à propos d'autres manifestations, des précédentes et du début de l'irruption de ces armes. Et je me suis dit, et c'est ce que je me suis dit en voyant d'abord le livre arriver, je me suis dit, ben, c'est intéressant qu'il faille la littérature. Qu'il faille la littérature, du moins donc, qu'il faille donc donner une forme pour que ceci pénètre en nous. Pénètre. Avec plus de temps. Et c'est là où j'en viens au deuxième effet, hein, celui à la lecture que vous évoquiez. Il me semble que ce n'est pas un hasard qu'on ait besoin de la littérature pour ça, parce que ce que produit votre livre, c'est un effet de temps. Au-delà de l'effarement et du choc de voir des images de mutilés, on est sidéré, on est stupéfait, on est horrifié, et puis dans un geste assez naturel, on veut oublier ça et passer à autre chose, au-delà de ce trauma. Tandis que ce que fait le livre, c'est qu'il produit du temps. Déjà, il produit du récit dans son organisation. Vous retracez leur biographie selon un ordre particulier, tout ça est organisé, et ça, il me semble que Je l'exemplifie concrètement hein, dans le livre et sur l'effet qu'il m'a fait à moi en tant que lecteur, mais au-delà, il me semble que ce n'est pas un hasard. On fait le festival Effraction sur les rapports entre la littérature et le réel, et ça me semble le symboliser presque parfaitement à cet endroit-là. C'est-à-dire que la littérature ne peut pas passer à côté de ça, se doit en quelque sorte de le considérer. Et puis, il faut sans doute la forme, la création littéraire et l'invention littéraire pour parvenir à faire ce que vous nous disiez tout à l'heure, à savoir restituer cette parole, hein, au-delà des « e » premiers, etc. C'est-à-dire, il faut l'installation formelle telle que vous la mettez en place, donc de la littérature, pour remplir cette fonction d'information. Oui, par exemple, moi, je sais pas, moi, sur les vidéos, par exemple, je ne sais pas regarder les vidéos, alors qu'Antoine et d'autres m'ont dit qu'ils avaient toujours les vidéos de mutilation étaient en ligne, et ça leur a servi en partie pour le procès, notamment. Moi, ben, je ne suis pas capable de regarder ce genre de vidéos, et en plus, ça ne va pas m'apprendre plus. Pour moi, c'est immédiat, voilà, alors que je suis très pour les intermédiaires, en général, dans la société. Mais oui, ça fait un effet de temps, mais surtout, je pense qu'en effet, lire un livre tout seul permet d'instiller cette idée que c'est arrivé dans notre pays,
Donc, nous avons tous à avoir du chagrin et à avoir honte de ça, et à se demander pourquoi c'est arrivé et comment faire éventuellement pour que ça n'arrive plus. Parce qu'en fait, si on supprimait un certain nombre d'équipements des policiers, ça n'arriverait plus. Alors que si on met des armes pareilles dans les mains des policiers, ça ne peut que arriver. Voilà. C'est dans le système actuel, et face à des pressions pas possibles, les policiers, si on leur met des armes de guerre qui peuvent mutiler, ils vont les envoyer, donc ça finira par tomber sur quelqu'un. Donc tout ça, mais du coup, quand on le lit tout seul, quand on lit leurs mots, tranquillement, sans le bruit, sans le son, sans appuyer sur play, sans 10 000 informations, le principe de la lecture, c'est que c'est quand même une attention soutenue, concentrée. Quand vous arrivez à lire à peu près un quart d'heure de suite, à peu près cette partie, vous n'êtes pas interrompu, alors que sur écran, ça... ou sur, si on regarde cette vidéo sur écran, ou sur un clash, ou sur un débat télévisé. Là, ça instille en effet ce que je crois à la littérature. Une émotion particulière chez le lecteur et une émotion empathique qui est propre là, du coup, à des choses en effet de l'œuvre d'art, mais un attachement au personnage, voilà. Pas forcément une identification, mais un attachement. Donc là, ça joue avec ça naturellement, on va dire, parce que n'importe quel récit écrit va mettre en place ça. Eux, ils racontent leur histoire, on peut pas dire qu'ils l'ont pas raconté, il y a beaucoup qui l'ont raconté. Antoine a fait a monté les mutilés pour l'exemple, ça a été quand même a été dit, il y en a d'autres qui en parlaient, Sébastien est dans le film de David Dufresne aussi également. Mais après, c'est la question de comment on l'écoute, et comment on peut le recevoir. Voilà. Je pense aussi que pour beaucoup de Français, comme moi, c'est pas évident de se confronter à ça. Et je dis pas en termes militants, hein, parce que quand on voit des manifs de mutilés pour l'exemple, ou des trucs comme ça, il y a des photos où ils ont des gueules cassées, c'est les gueules cassées d'aujourd'hui, hein, à toute proportion gardée. C'est insupportable. Donc en fait, l'insupportable est quand même important, parce qu'on a un choc, on est dans le déni, mais on a quand même quelque chose qui arrive dans le cerveau en disant « c'est arrivé », donc on voit les visages déformés. Mais en même temps, si on veut quand même essayer de... Enfin, je ne sais pas si j'ai voulu essayer de convaincre plus de gens, ou de faire comprendre à plus de gens ce qui s'était passé, parce que moi-même, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, on est en train juste de changer le monde et on essaie de voir... Mais c'est vrai que le récit de juste des phrases de l'encre noire sur du papier blanc, où il ne va rien se passer, il n'y a pas du sang, il n'y a pas quelqu'un qui va crier, vous êtes tout seul avec votre bouquin, vous vous arrêtez quand vous voulez, et à la fin, ça, ce qui s'est passé a pénétré en vous. Et puis c'est eux qui parlent, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pour le moment journalistique, ils le disent, ils le racontent, ils ont vécu ça. Vous ne pouvez être pas d'accord, mais ce n'est pas parce que c'est un éditorialiste insupportable qui parle, ou parce que c'est Castaner, ou parce que c'est Mélenchon. Eux, ils ont vécu ça, c'est tout. Et ça, c'est une règle journalistique. Ils ont vécu comme ça, donc ils ont des traumas post-traumatiques, c'est-à-dire qu'ils perdent la mémoire, ils ont perdu confiance en eux, ils ont perdu leur boulot, et ils ont mis 6 mois à se rééduquer, et ils ne peuvent plus s'habiller tout seuls, ils ne peuvent plus faire de la moto, ils ne peuvent plus faire des jeux vidéo, ils ne peuvent plus jouer au foot, ils ont fait 15 opérations chirurgicales pour Gabriel, tout ça, ce sont des faits, alors on ne peut pas les contester en tant que tels. Donc écouter tout ça, ça fait pénétrer en soi, en fait plus profondément ce qu'il s'est passé. Après, voilà, on en tire les conséquences ou pas, mais déjà, accepter la réalité, c'est déjà une partie du phénomène psychique qu'il faut pour pouvoir passer éventuellement, individuellement ou collectivement, à la phase d'après, quoi. Oui, mais c'est vrai que ce que vous disiez, en même temps, oui, j'ai pas répondu à la question, mais c'est vrai que c'est bien que vous disiez que ça crée du temps. J'aime bien cette idée. En effet, je pense que le roman, enfin la lecture, en effet, enfin nous, on peut créer du temps. En tout cas, moi, je peux témoigner que, en effet, j'avais du temps, par exemple. Pour faire ce bouquin, il fallait avoir du temps. Peut-être pour ces, je pense que c'est pour ça que les journalistes aussi n'ont pas fait. C'est que moi, je suis allée voir Antoine ou Frédéric assez facilement au début. Mais après, pour les 3 autres, ça m'a pris beaucoup plus de temps, parce qu'il fallait les convaincre, il fallait les retrouver, il fallait prendre rendez-vous. En plus, ils sont dans la France entière, hein, donc à Argenteuil, dans la région de Bordeaux, à Tours. Et j'avais le temps, alors que les journalistes, en général, ils doivent tout faire en une semaine. Donc, ils n'auront pas les 5, par exemple. Et alors, c'est possible, hein, par exemple, sur les féminicides, on a vu que le Monde a pris le temps d'essayer une enquête, courir sur des mois et des mois, et ça donne des fruits. Mais c'est quand même pas toujours le cas. Et en plus, du coup, moi, ils me faisaient plus confiance, parce que justement... Je n'étais pas la journaliste qui leur disait, déjà ils avaient un petit côté gilet jaune anti-journaliste, mais la journaliste qui disait ah, c'est tout de suite maintenant, et puis on ne vous fera pas relire. Donc je pouvais avoir le temps de les écouter dans de bonnes conditions, et qu'ils changent d'avis. Il y en a un qui a dit non d'abord, et puis finalement il a dit oui, et de les faire relire et tout ça. Donc j'ai créé du temps avec eux, et ensuite peut-être que c'est ça aussi qui permet que quand vous le lisiez ou quand le livre existe, ça crée du temps quand on le lit, c'est-à-dire ça s'insère en vous lentement, après la lecture aussi. Et puis j'espère aussi que ça crée du temps, dans le sens où le livre restera comme un témoignage de l'époque. Pas pour moi, moi je n'en ai rien à fiche, c'est juste pour le côté, il y aura quelque chose d'instantané, de figé, comme une photo. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent là,
un an après leur mutilation, ils n'auraient pas redit pareil, même maintenant, 2 ans et demi après. Même certains détails, peut-être qu'ils les auraient oubliés. Donc, il fallait aussi le faire assez vite. Tout ça est en effet une question de temps. Donc, il fallait quand même que je les interviewe. Je les ai pris à peu près un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ils pouvaient encore raconter beaucoup de choses. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont oublier certains détails et puis ils vont peut-être passer à autre chose, je leur souhaite. Voilà. Mais du coup, ça restera un peu comme le journal des années noires de Jean Guéhenno, qui a noté des choses sur l'occupation au jour le jour, des détails. C'est des choses qu'on va oublier plus tard. Donc là, c'est figé un peu, et c'est figé pour l'histoire, là, on espère. Du coup, ça permet en effet tout ça de lier entre ce qui est l'actualité, ce qui est le temps de l'écriture, le temps de la lecture, tout ça, en effet, ça fait partie de problématiques dont vous parliez. Il y a cette forme donc à la première personne et ces éléments très concrets qui fabriquent ce que vous disiez tout à l'heure de l'empathie, hein, qui est une des fonctions notamment romanesque. C'est comme ça que le roman fonctionne sur nous, lecteurs. Nous, à un moment ou à un autre, nous nous identifions. Et quelque chose va nous parler à nous. Et je me disais, du point de vue du mécanisme, oui, si j'assistais à un témoignage vidéo de ces personnes, je les vois physiquement et je sais qu'ils ne sont pas moi. En le lisant, je sais aussi qu'ils ne sont pas moi. Mais à un moment, un père de famille parle du fait que ses enfants vont devoir lui couper sa viande et ça le met dans une grande colère. C'est un des finales d'un des chapitres. En tant que père aussi, ça va me toucher moi. Je veux dire, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que le lecteur va s'emparer un moment de ce jeu dans sa propre réalité et va du coup pénétrer autrement ces gens, puisqu'ils ont été désidentifiés par ce jeu. Vous les restituez dans leur identité également en postface, mais ce qui se passe dans le phénomène du texte, pour le lecteur, c'est ça. Ça peut être ça. Mais je me demandais, du coup, pour eux, comment ont-ils réagi à ce grand mix et à cette désidentification, à ce jeu où toutes leurs histoires sont mélangées? Est-ce que ça les a surpris? Est-ce que ça en a choqué certains? Est-ce que ça a provoqué, d'ailleurs, à ce moment-là, du recul? Ou est-ce que ça les a intéressés sur le coup et puis à la sortie du livre, éventuellement, si vous en avez eu des échos? Oui, Yann, par exemple, m'a envoyé un long texto très sympa en me disant qu'il était très content, que je ne les avais pas trahis. C'est un peu la crainte que j'avais, enfin, le truc de base, en effet. Mais j'étais quand même restée en contact avec eux assez pour savoir que ça se passait bien. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de malentendu. Voilà. Ils étaient au courant, hein, dès le départ, de que j'allais faire cette forme où leur phrase allait être mise à la suite découpée, donc tout ensemble. C'est pour ça qu'il fallait au moins qu'il y ait au moins trois qui répondent, parce que je pensais faire 5 mains coupées, mais après j'ai eu 3. Je me suis dit, bon, 3 mains coupées, ça passe, 4 mains coupées. J'ai pensé que longtemps, ça serait juste 4 mains coupées. Et c'est la mère de Gabriel qui a convaincu le dernier de répondre en disant, non, il faut absolument que tu y ailles. Sinon, d'ailleurs, ça ne serait pas complet. Sinon, on serait mutilé de quelque chose. Et en effet, avec les 5, on a aussi un portrait de tous les âges, tous les milieux différents de classe populaire, dans certaines mesures. Et du coup, excuse-moi, j'ai perdu la question. Et c'était comment ils ont réagi face oui, à la mais fin, non, non, du coup, du coup après... ils étaient au courant. Voilà, ils étaient au courant, même il y en a un qui m'a dit, oui, mais pourquoi comme ça, pas un roman. Du coup, ils étaient au courant dès le départ. Et moi, je leur disais aussi, comme ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne saura pas qui dit quoi. Ça permettrait, mais en fait ils n'ont pas tellement de choses à dire qui seraient pas entendables, hein, je pense qu'ils assument, mais du coup il n'y a pas eu de malentendu après ça et ils n'étaient pas décontenancés particulièrement. Après voilà, je ne suis pas sûre que pour eux ce soit un livre facile à lire pour autant, voilà, et donc je les ai pas torturés pour qu'ils me disent absolument qu'ils me fassent une critique littéraire tous, mais tout s'est très bien passé, ils étaient contents et ils sont très contents qu'on parle d'eux. Moi, une des premières choses qu'ils m'ont dit, c'est je veux pas qu'on nous oublie, et ils sont en quête de dignité en permanence. On nous a fait ça, c'est injuste, c'est un scandale. En plus, il ne se passe rien, c'est comme si c'était normal. Avant, les gens auraient réagi plus. Maintenant, on peut faire des choses comme ça et ça passe et puis il ne se passe rien. Donc, en fait, tout ce qui peut faire parler d'eux, quand ils ne sont pas trop traumatisés psychiquement, ils savent que ça peut les aider. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le contact personnel était important. C'est-à-dire, est-ce que j'accorde ma confiance à la personne? Mais après, ils n'allaient pas en permanence regarder si je suis être derrière moi. Et là aussi, en tant qu'artiste, je leur ai dit quand même, moi, je fais ça. Mais après, il y a une part de travail qui est à moi.
et je ne veux pas que vous interfériez. Donc tout ça, ça a été très très bien posé. Et comme je vous dis, on est en France, il y a des gens qui savent ce que c'est que le roman, l'édition, le travail. Bon, il y en a certains qui m'ont dit, c'est marrant, depuis que je suis mutilée, je rencontre plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés, des photographes, des journalistes, des documentaristes, tout ça. Mais du coup, ils savent aussi ce qui est de leur ressort et ce qui est du bien. Et non, ça ne les a pas particulièrement perturbés. Je pense que l'important pour eux, c'était de pouvoir pu relire, en effet, le premier texte. Que tout ce que je dis, c'est eux qui le disent, soit vraiment eux qui le disent. Voilà. Donc là, en effet, c'est là que... Là, ils ont soufflé, ils ont dit, ok, là, ça s'est bien passé comme ça, j'ai bien envoyé le texte, ils l'ont bien amendé. Mais après, vous savez, c'est pas des gens qui sont des gens, en effet, de l'édition, hein, ou du livre, particulièrement. Donc, il y a, c'est en effet, ce contrat de morale, de confiance, qui peut être plus facilement brisé et qui peut être abusé si on reste pas dans l'exigence morale, parce qu'au fond, si j'avais tordu leur phrase, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, pour être honnête, ouais. Mais c'est ça, ça m'intéressait pas moi, mais les journalistes passent leur temps à faire ça, des fois par maladresse ou par manque de temps, c'est qu'ils vont trop vite, ils respectent pas les propos, et puis après les gens se sont trahis en face. Moi, j'étais journaliste assez brièvement, mais quand même assez pour voir que, et on a tous subi ça de manière différente, même dans la petite presse régionale, qu'on déforme le propos, que les choses ne sont pas faites comme il faut. Moi, je voulais faire vraiment tout comme il fallait, quoi. C'est même vraiment déontologiquement parfait. Ça prend plus de temps, mais du coup, après, on a une satisfaction morale, et puis même le travail bien fait qui vaut la peine, quoi. Voilà. Mais après, voilà, ça fait un portrait cubiste. En tant que temps, la forme, moi-même, je ne me rendais pas compte de ce que ça allait donner. Et je pense que je ne pourrais jamais lire le bouquin exactement comme vous, parce que moi, chaque fois que je vois une phrase, je sais qu'il a dit, et je sais même le ton avec lequel il a dit. Il y a des choses qui sont dites des fois avec un peu d'humour, je ne sais pas si ça se sent. Mais alors que le but, c'était après qu'il y ait une seule phrase et un seul portrait, en quelque sorte, même si de temps en temps, j'envoie des messages sur « je vois un psy, je ne vois pas de psy », pour qu'on voit qu'il y en a plusieurs. Mais on peut oublier aussi que c'est les plusieurs qui parlent en même temps. Oui, ça fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt rappelé au fait. Et puis, il y a la postface, de toute façon, qui remet les choses à leur place. Oui, je redis qui quand même. Le texte n'est pas un îlot poétique qui serait coupé du reste. Vous contextualisez, mais hors de ce corps de texte-là. Il me semble que d'un point de vue du coup, littéraire, assez symbolique, si l'on veut, est-ce que ça brise des solitudes ? Je ne sais pas, mais ça fabrique du collectif, absolument. Ça joue collectif, ça fait un jeu collectif, un jeu un peu ambigu qui est collectif, et ça m'a semblé, j'ai reparcouru certains de vos livres plus anciens, et puis je voudrais qu'on en vienne aussi au nouveau qui sort la semaine prochaine. Il y a un point commun presque irréductible à la plupart de vos narrateurs et narratrices, c'est d'être en butte à la solitude, à une forme de solitude, à la solitude de l'aliénation contemporaine. C'est-à-dire, je pense, dès la Code 400, vos tout premiers bouquins, il y a une narratrice qui est en train de s'adresser depuis sa solitude à une institution, une bibliothèque en l'occurrence. Mais c'est également le cas de Trois fois la fin du monde, qui est paru il y a 3 ans. Voilà, le narrateur, c'est après la fin du monde, il est tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait tout seul quand il n'y a plus de monde autour ? Il se trouve que la semaine prochaine sort Curiosity, qui met en regard 2 novellas, dont l'une s'appelle Curiosity, et qui fait parler le petit robot Curiosity. Vous allez nous raconter en quoi ce qu'il a fait, puisque ça vient d'un matériau assez documentaire. Et l'autre, voilà, à chaque fois, il faut que je retrouve le nom. La Grande Irox, qui est une nouvelle qui part de la situation réelle du confinement l'année dernière, donc assez récente documentairement, pour être une pure fiction et assez fantastique, d'une narratrice qui se retrouve confinée, et surtout dans un petit espace, comme beaucoup de gens des classes moyennes, ne serait-ce que moyennes ou moindres encore, et qui vit une expérience métaphysique douloureuse à cet endroit-là. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça d'un point de vue littéraire, et puis peut-être politique, ce rapport-là à la condition de solitude. Oui, ça c'est un lien que moi dont je n'avais pas forcément conscience, parce que la solitude peut servir à plusieurs choses dans un texte, dans le sens où quand on ne veut pas trop s'embêter avec plusieurs personnages, je pense que je ne suis pas très très forte forcément dans les scènes de dialogue, c'est plus difficile d'écrire des scènes avec 15 personnages en même temps que un, par exemple. Même s'il y a un bouquin entier avec un seul personnage, comme Trois fois la fin du monde, c'est qu'au bout d'un moment,
un peu lourd aussi à écrire. Mais donc, la solitude est un obstacle interne, une difficulté qui va faire que le personnage va se révéler et va avoir quelque chose à dire, voilà, va s'adresser. Hein. Donc, ça génère un texte, on va dire. Il faut bien que ça parle, hein, bonhomme. Hein. Il faut bien que ça parle et que quelque chose n'aille pas. Voilà, si tout va très bien, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de cri, donc il n'y a pas de livre. Voilà. Mais c'est un lien que moi, dont j'avais pas eu conscience avant d'avoir fait quelques bouquins, et maintenant, en effet, que je vois plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, je pense, c'est comment on fait tout seul, comment on fait avec les autres. Parce que même dans Trois fois la fin du monde, qui est en effet un Robinson Crusoe, quand même, tout le début, il est en prison, et donc c'est le pire de ce qu'on peut trouver dans être avec les autres. Être avec les autres contraints, avec violence, avec hiérarchie. Et dans Condition pavillonnaire, elle n'est pas du tout toute seule, mais elle a un sentiment de solitude, on va dire, ou en tout cas, elle a une faille, un peu, c'est une bovariste, mais elle n'est pas vraiment seule à ce moment-là. Et donc, dans Curiosity, évidemment, lui, c'est un robot qui est tout seul sur Mars, donc là, on est l'île déserte ultime, quoi. La planète Mars, on ne peut pas faire mieux comme île déserte. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu l'épilogue aussi de Trois fois la fin du monde. Et ça, il faut des personnages aussi qui aient des failles, quoi, qui aient des failles dans lesquelles on rentre. Et puis tout personnage est une métaphore aussi de la condition humaine. Donc moi, il se trouve que j'ai à travailler ça. Pourquoi, j'en sais rien. Puis ça m'intéresse pas forcément de le savoir. Moi, tant que ça me fait générer des romans, tout va très bien. Mais du coup, ça permet en effet de métaphoriser une condition, quelque chose qu'on a tous en commun, de se sentir seul. Voilà. Et du coup, c'est ce personnage de retraité dans la Grande Irox ou ce petit robot sur Mars. Ils peuvent travailler ça, mais ça génère chaque fois des choses assez différentes dans la diversité de style dont vous avez parlé par ailleurs, quoi. Mais c'est ça, c'est comment faire tout seul, comment faire avec les autres. C'est, au fond, c'est les deux questions qui m'intéressent et qui sont des questions philosophiques plus générales. Moi, en tout cas, je le traite de manière romancée, c'est-à-dire de manière métaphorique. Et donc, Curiosity. Curiosity, je l'ai dit au début, j'aurais été bien en peine de, alors je vérifie que c'était 2012, voilà, de restituer. Il se trouve que ça tombe, heureux hasard éditorial, dans une actualité, puisqu'on parle beaucoup de Mars ces temps-ci, donc ça, on imagine bien qu'un éditeur Passo vous a dit « Attends, plutôt Mars !» Mais vous ne l'avez pas écrit dans ce sens-là, puisque ça a été un long travail aussi, qui a dû cheminer d'ailleurs temporellement entre celui sur les Gilets jaunes et d'autres livres, puisque vous êtes allé au CNES, vous avez enquêté, enfin voilà, pour produire ce qui est une novella de 40 pages, où le petit robot parle, mais il sait de quoi il parle, hein, c'est son boulot en somme. Il est informé et il nous informe, vous êtes énormément documenté. Oui, je suis en effet chez le CNES à Toulouse, donc l'agence spatiale française, qui est une grande agence spatiale. On le sait récemment là, avec l'atterrissage de Persévérance sur Mars, un outil très important sur Persévérance comme sur le rover Curiosity est fait en France. Et même InSight, un atterrisseur qui fait de la sismologie sur Mars, on a vraiment en France, c'est très peu connu, parce que les gens des fois confondent le CNES avec le CNRS, une agence spatiale qui est très importante et qui marche très bien en collaboration avec les Américains, sauf que c'est les Américains qui payent 90% du budget, voire 95%, et nous, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, donc ça marche bien comme collaboration. Et ces gens-là m'ont ouvert la porte, mais très très sympa, donc j'ai fait même beaucoup trop de documentation, je pense, mais c'est tellement extraordinaire de se retrouver au CNES avec des horloges avec écrit l'heure en Californie, l'heure à Paris, l'heure à Toulouse et puis l'heure sur Mars. Enfin, c'est quand même, j'étais comme une gosse, j'ai pu poser plein de questions, rencontrer des gens passionnants qui étaient très contents aussi qu'on parle d'eau pour d'autres raisons. Mais il n'y a pas d'être humain dans mon petit bouquin. C'est en effet le rover Curiosity qui parle, qui de toute manière est déjà un personnage pour beaucoup de gens qui travaillent avec lui depuis 2012, mais même avant, il y avait Opportunity, Spirit, depuis le temps qu'il y a des robots envoyés comme laboratoire scientifique embarqué sur Mars. Les gens qui travaillent avec, et même les gens comme moi qui sont un petit peu passionnés de spatial, sans parler des gens qui sont complètement ultra fans de spatial, qui le disent tout là-dessus, personnalisent ces robots, quoi. Donc pour un romancier, c'est vrai que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout et de le faire parler, quoi. Moi, j'avais déjà fait parler un grille-pain dans un de mes bouquins, mais faire parler Curiosity, c'est plus facile en quelque sorte, même s'il faut quand même lui trouver quelque chose à faire alors qu'il est tout seul. Ça, c'est la difficulté a été de dire qu'en fait, il va rien se passer, quoi. Parce que maintenant, le problème, c'est qu'on sait quand même très bien qu'on va pas tomber sur un lapin ou sur un martien vert avec des antennes, quoi. Donc, la difficulté, ça a été qu'en effet, à moins que je fasse quelque chose comme mon délirant, mais c'était pas le but. C'était quand même très contraint comme bouquin, finalement, parce que c'est un rover, et puis il travaille, et puis voilà, quoi. Donc,
c'était plus compliqué que je pensais finalement narrativement. Mais donc il parle, et il parle de sa solitude, il parle de son travail, et j'en fais une métaphore, je vais jusqu'au bout, dire que c'est lui qui parle comme nous, et nous, la Terre, les humains, on est Dieu, parce qu'au fond c'était très pratique, c'était Dieu, la Terre, la science, c'était tout ensemble, et c'est ce qui lui... La première phrase du livre, donc, c'est « Dieu me parle tous les matins entre 8h et 10h », parce que, de fait, le robot Curiosity, il reçoit ses lignes de code journaliers tous les matins. Et donc, pour lui, il peut imaginer, par exemple, que c'est un dieu qui lui envoie depuis les hauteurs de l'espace ce qu'il doit faire tous les jours. Donc, c'est inversé comme ça complètement la proposition. Voilà. Un peu comme dans la littérature, on a fait parler des animaux qui parlent des hommes comme des animaux, comme des sujets étranges. Ça permet de renverser la perspective anthropologique, et ça, c'est vachement excitant à faire. De le faire parler avec des blagues de robots, penser que lui, pour lui, il n'y a que des robots, quoi. Il y a les satellites, les rovers, et puis les atterrisseurs qui ne bougent pas. Et puis c'est tout. L'Homo sapiens, ça n'existe pas. Déjà, il sait qu'il y a un dieu qui est sur Terre, il sait que la Terre est bleue. Donc pour lui, il pense que la Terre est bleue, c'est-à-dire le sable est bleu sur Terre. Voilà. Et puis les cratères, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est que de l'eau. Et aussi, il se demande qu'est-ce que ça veut dire la vie. Parce que la vie, quoi. À savoir ce que c'est. Donc tout est inversé comme ça, donc c'est assez intéressant à écrire par rapport à ça, d'inverser complètement la perspective. Ça, c'est un des travaux des artistes, de nous faire voir le monde autrement, de nous faire une expérience de pensée, voilà. De manière un peu plus fantaisiste avec Curiosity qu'avec la dystopie de Trois fois la fin du monde, qui était, imaginons que vous vous retrouvez tout seul après une fin du monde, qu'est-ce qui se passerait psychiquement dans votre tête, quoi. Si vraiment vous pouviez être tout seul. Parce qu'une des solutions pour résoudre la question comment on fait tout seul, comment on fait avec les autres, c'est de supprimer tous les autres. Ce qui se passe dans Trois fois la fin du monde. Moi, je ne trouve pas forcément que c'est une super solution. Et du coup, dans Curiosity, il y a un petit peu ça, quoi. C'est, lui, il aimerait tellement être avec d'autres robots, quoi. Voilà. Parce que c'est un rover sociable, il se trouve qu'il aime, c'est un rover qui cherche l'amitié, qui cherche... Et il se dit pourquoi Dieu m'a fait sociable si je dois rester tout seul, voilà. Et puis, quel est le sens de mon travail ? En fait, tout ça repose des questions. Donc, il fait son testament en espérant que d'autres rovers, voilà, vont le lire et vont, du coup, profiter de sa sagesse. Voilà. Mais il s'adresse à nous comme si on était des robots. Voilà. Donc, il nous dit, attention, si vous arrivez sur Mars, il faut faire attention à l'atterrissage ici, tout ça, parce que pour lui, il n'y a que des robots. Quoi. Donc c'est quand même, c'était assez rigolo pour moi de faire ça, même si j'ai un peu patouillé au début. D'inverser tout ça, de rentrer dans son langage entièrement, quoi. Je pense qu'il y a un siècle où on faisait parler des animaux, mais malheureusement nos vies ont supprimé un peu, on n'a plus que les êtres humains autour de nous, donc le monde des animaux m'est assez étranger malheureusement aujourd'hui, et du coup j'ai plus de facilité à faire parler les objets, surtout ce genre d'objets qui sont en tant que tels assez romanesques, quoi. Voilà. On l'a bien vu à l'atterrissage de Persévérance, c'est quand même très très fort émotionnellement de se dire que je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des êtres humains d'ailleurs, parce que quand Persévérance arrive, c'est nous qui arrivons avec lui, quoi. Donc, il y a une charge émotionnelle sur ce robot. Va-t-il arriver ? Les photos qu'il nous envoie. Enfin, pour en romancer, le travail est fait, quoi. Il y a qu'à continuer, quoi. Enfin, il y a qu'à, c'est pas si simple, mais voilà. C'était. Merci. J'aurais une dernière petite question puisqu'on arrive au terme du temps qu'on s'est donné. On a parlé de Curiosity, qui est le titre du livre. Et en regard, il y a cette nouvelle, La Grande Irox. Maintenant, j'arrive à la retenir. Ça me semble intéressant que vous ayez pris ce parti-là. Je repense à un moment de votre discours tout à l'heure. Vous avez fait allusion au confinement et à ce qu'on vit depuis un an. Hein, ces réalités qui nous font là nous parler à distance avec quelqu'un dans un bureau, quelqu'un dans un appartement et d'autres gens qui ont le fait la veille. D'autres gens qui vont nous voir en différé. Bref, il nous arrive des choses depuis l'année dernière et vous avez été un peu ironique tout à l'heure à l'égard des écrivains, de ce qu'on a appelé les journaux de confinement, etc. Et ça m'a semblé intéressant aussi parce que moi, je sais vous avoir lu sur les réseaux sociaux et c'est sans doute un endroit où on peut faire un journal, enfin délivrer ses impressions au jour le jour, ce que vous avez soigneusement évité de faire en littérature en prenant le parti pris de la fiction. C'est-à-dire, il y a un postulat de fiction fantastique, mais depuis, encore une fois, une question profonde, hein, celle de la solitude, de l'enfermement, voilà, cette personne, elle est dans des conditions de vie qui sont très angoissantes dans un moment comme celui-là, et vous prenez volontairement le parti pris de la fiction. Oui, mais après, moi, les journaux de confinement, en effet, j'en ai tenu un moi-même, même si c'était plutôt un journal extérieur, comme dirait Annie Ernaux. Mais il ne faut pas s'étonner que les écrivains, quand ils sont enfermés et qu'ils ne sont pas bien, ils écrivent. Enfin, c'est comme ça qu'on gère tout. Toutes nos émotions, on les gère parce qu'on écrit.
Et donc, quand les écrivains sont enfermés ou en prison, ils écrivent, ça leur sauve la vie, donc il faut les laisser écrire. Juste que des fois, c'est un peu ridicule de s'apercevoir la naïveté sociologique dont ils font, dont ils sont eux-mêmes victimes, du coup, pour certains, parce qu'ils ne se replacent pas, en fait, dans l'arc social. Donc, des fois, leurs écrits autobiographiques les replacent assez cruellement, c'était ça. Mais si on a un peu conscience de ces conditions, on ne fait pas cette erreur-là. Mais après, moi, je ne m'interdis pas un jour de faire un travail autobiographique, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve que le travail de littérature, c'est un travail d'illusionniste, c'est un travail de provoquer de l'émotion avec des choses qui n'existent pas et de créer des métaphores, de créer de rendre un peu moins obscur ou de rendre un peu moins solitaire une sensation psychique collective qui nous est imposée et qu'on ne comprend pas. Et donc de la partager en essayant de la décrire ou d'essayer un petit peu de la simplifier, ou en tout cas de la nommer. Je ne sais plus quel écrivain disait, écrire, c'est écrire ce qui n'a jamais été dit, c'est mettre des mots sur ce qui n'a jamais été dit. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comment mettre des mots? C'est très difficile, quoi. Et en plus, alors que c'est très important de mettre des mots. Moi, sur le confinement, je ne pensais pas être capable d'écrire une nouvelle qui se passe pendant le confinement. Je l'ai fait, j'ai réussi à le faire et durant le confinement, justement, enfin le premier, parce que la nouvelle, en fait, est un remake total d'une nouvelle russe qui a été écrite à Leningrad dans les années 20, 1920, de Zygmunt Krzyżanowski. Je le cite, d'ailleurs, dans la novella, parce que c'est vraiment... Je pense que je n'aurais pas été capable, vu l'état psychique dans lequel on était et que j'étais aussi... pendant le confinement, de faire un effort créatif aussi important. J'ai repris les codes exactement, la nouvelle s'appelle La Superficine, là c'est un démarcheur qui vient lui apporter, moi c'est un démarcheur publicitaire qui lui envoie par la poste, la Grand Irox. Mais c'est le même principe, c'est un truc bizarre qui se passe et qui a agrandi un appartement, sous Lénine, enfin, à Leningrad, où, quand ils avaient le problème de logement, ou là par exemple. Parce que je pense que j'aurais pas été capable, moi, de métaphoriser, donc j'ai pris cette métaphore et je l'ai réappliquée. Mais en tant que tel, oui, ça nous permet de, si, voilà, ça nous permet d'essayer de mettre un peu de distance par rapport au réel. Mais si on est complètement pris dans le réel, on n'arrive même pas à avoir cette distance. Soit c'est très difficile de faire une fiction sur les gilets jaunes ou sur les attentats. Je pense qu'on n'a pas comment digérer ce qui s'est passé. Et même une fiction à proprement parler, pour moi, n'a pas d'intérêt tant qu'on n'arrive pas à considérer ce qui s'est passé, par exemple. Par exemple, pour le dire franchement, le roman de Dufresne, pour moi, n'a aucun intérêt par rapport à son film. Le roman romance, mais de manière très plaquée, très, très réaliste, années 50, quelque chose en fait, qui a encore besoin d'être documenté et qui ça apporte pas grand-chose au niveau journalistique et ça n'apporte pas grand-chose, malheureusement, au niveau... au niveau littéraire, par ailleurs, même si c'est bon, ça fait parler, ça met en forme et tout, mais en tant que tel, c'est tellement compliqué ce qui nous arrive qu'il faut faire des tentatives. Alors, comment arriver à le mettre en récit? En tout cas, il faut pas, ce que je dis tout simplement, et avec d'autres, on essaie de défendre ses positions, c'est essayons de rester sur ce que nous ressentons. Nous ressentons quelque chose de difficile, et si on travaille à partir de ça, ça ne veut pas dire je fais une histoire avec des gilets jaunes, je fais une histoire avec des attentats, je fais une histoire avec le confinement, forcément, ça peut prendre d'autres formes, ça peut être créer des métaphores comme Kafka le faisait, ça peut être créer des images, des allégories, ça peut être au contraire penser, écrire quelque chose qui n'a rien à voir mais ça va transparaître parce que ça nous travaille. Voilà. Donc restons attentifs à ce qui nous travaille et si on est des artistes, que ce soit des peintres, des écrivains, en effet, ou des cinéastes, ça va donner des œuvres. Voilà. Mais donc, et nous sommes là en tant qu'artistes pour essayer de nous laisser pénétrer par cette ambiance et d'essayer d'en faire des images. Voilà. Parce que ça aide tout le monde, après, à essayer de vivre dans ce monde qui est difficile. Merci. Ça peut faire une belle conclusion, Sophie. Pour le redire, Curiosity sort la semaine prochaine. Nous le 4 avons mars. Passé, voilà, oui. Nous avons passé un long moment à parler de 5 mains coupées qui est à se procurer d'urgence. Et puis, on s'est un petit peu promené au long de votre œuvre, donc j'en montre quelques-uns comme ça rapidement. Oui. Tout est disponible aux éditions... Notabilia, noir sur blanc, hein, du groupe Libella. Et vous y trouverez de quoi nourrir vos envies de diversité. Quelque chose, Sophie? Et c'est également chez J'ai lu pour ceux qui veulent aussi. Ah oui, acheter en poche. Ah oui, en poche. Mmh.
Voilà, merci beaucoup Sophie. C'est le début des fractions, alors là on enregistre ça la veille, et il y a quelque chose que je voulais dire au début et que je rajoute à la fin, c'est que évidemment ce festival se fait et se fera avec sans cesse une pensée pour Joseph Pontus, qui est quelqu'un qui vient de nous quitter et que tragiquement et bien prématurément, à 42 ans, qui a écrit un livre il y a 2 ans, qui a saisi tellement d'entre nous qu'on aurait aimé vraiment l'inviter un jour à Effraction. Ça n'est pas possible, mais vous pouvez le lire. Ça s'appelle « À la ligne » aux éditions de La Table Ronde. On a évidemment une pensée pour ses proches. Et puis, on ne peut que vous conseiller de le lire toutes et tous. Merci encore, Sophie. Merci, Gadel, puis merci au festival. C'était un plaisir. À bientôt. Et au revoir. Au revoir.